Saint-Lin-Laurentide, dans la région de Lanaudière. Moi, j'ai la dystrophie musculaire de ceinture, une maladie neuromusculaire, et ça l'attaque souvent, c'est tout ce qui est musculaire, tout ce qui est plus articulation, mais au niveau de la ceinture. Je marche plus, aucune paralysie, mais je marche plus. Comme ça atteint les muscles, ça atteint aussi, c'est beaucoup plus l'œsophage, des problèmes respiratoires, bien que le muscle de l'œsophage ne se rouvre pas assez et l'air ne rentre pas suffisamment. Donc, j'ai souvent des insuffisances respiratoires. Bonjour, Véronique. Bonjour, Madame Perrault. Est-ce que vous avez tout votre monde? J'ai tout mon monde. Madame Perrault, est-ce que le stéthoscope est proche de vous ou peut-être qu'on peut vous le passer? Vous pouvez le mettre, je pense qu'on va être correct. Allez-y. Ah! De l'autre côté, parfait. C'est beau. Merci. Vous allez voir la différence avec le BIPAP. L'air qui rentre au ventre, le BIPAP, on ne l'entend pas. Jamais. Il n'y a pas de, sécrétion. Les bases sont quand même bien ventilées. Non, tout à fait. Oui, on va. Puis là, si vous pesez sur mon petit bouton, mettre de la lumière. Pesez sur n'importe quel bouton. C'est ça. Je suis capable d'aller vérifier les pressions du BIPAP. Je vois que là, elle se promène entre 18,2 de BIPAP avec un BIPAP à 5 environ. À quelle fréquence tu fais le suivi avec ma femme? Je pense qu'en télévisite, ça va être au minimum au moins une fois par mois, puis au besoin. La dernière fois, Mme Perrault ne se sentait pas bien, elle m'a appelée, puis on a fait une télévisite la journée même que je vous ai envoyé le rapport. Elle n'est pas confortable avec son BIPAP, elle a de la misère à la tolérer. Elle a de la misère. Vous avez eu de la misère à tolérer votre BIPAP cette nuit, hein? De la misère la nuit. Vous avez plus de misère parce que vous avez l'impression que ça pousse pas assez d'air ou que ça pousse trop d'air? Moins, pas assez d'air. C'est peut-être pas les paramètres idéaux que vous avez là-dessus. Ça aiderait, je pense, d'augmenter un petit peu vos pressions pour que ça pousse un petit peu plus, pour que ça vous donne un petit peu plus d'aide. Puis c'est sûr que maintenant, c'est encore plus important que quand vous êtes bien. Fait qu'écoutez, moi, je vais suggérer un changement là-dessus. Les réactions que mes patients ont eues m'ont agréablement surpris en ce qui me concerne. J'ai deux patients qui vont bénéficier de l'implantation du projet télévisite. Donc, la première réaction, c'était la mère qui a un jeune enfant. Les larmes sont venues à ses yeux. Elle était très, très émue qu'on puisse lui donner la chance d'avoir une bonne télévisite comme ça pour lui faciliter la vie. Dans le fond, faciliter les rendez-vous médicaux à l'hôpital. Ils ont de nombreux rendez-vous aux children. Donc, on venait de lui enlever un petit poids sur les épaules, puis lui faciliter la vie. Pour ma part, non, je ne sais pas si d'autres personnes vont trouver ça compliqué, mais non, c'est pas plus compliqué qu'aller sur Internet. Hein? Puis parler webcam avec ta copine à Drummondville ou à Sherbrooke, c'est la même chose. Puis ils te disent quoi faire, tu es en direct. Non, moi, j'ai pas trouvé ça. Tu n'as rien à faire, tu as juste à écouter, dire ce qu'ils veulent. Il y a plusieurs bénéfices à la télémédecine et aux télévisites. Je pense que celui qui est le plus évident, c'est le temps, l'énergie et le stress qui est diminué pour la famille. Ça, c'est une grande sécurité. C'est une sécurité. Je vais juste te donner un petit exemple, une anecdote. Une semaine ou deux semaines avant qu'ils viennent m'installer, j'ai eu des problèmes respiratoires. Avec ça, même si ça ne va pas mieux, elle a pris ma saturation, était bonne. Elle a pris ma pression, était bonne. C'était juste le fait de prendre plus d'air, plus me reposer, plus d'avoir plus souvent le respirateur. Mais mon stress est parti.
J'avais beaucoup moins de stress, j'ai pu me reposer. J'avais quelqu'un qui m'a piété mes poumons, puis disait « Tout va bien, j'entends rien, tes poumons sont clairs. Fais-toi-en pas, c'est sûrement juste la fatigue. » C'est de voir qu'en 2000, lors d'un voyage au Japon, pour une conférence, j'avais été invitée dans un hôpital pédiatrique où il y avait des télévisites comme ça avec des patients sur respirateur à distance. J'en rêvais à ce moment-là, puis maintenant, c'est devenu une réalité au Québec.